Now wherever you go, your business goes too. Do all your business banking on the Absa mobile banking app and grow your business on the go. Another digital solution that gets things done. That's Africanacity. That's Absa. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. On y va pour les titres qui font l'actualité de ce mardi. La police débarque au mariage de leur fils. Deux retraités ont reçu la visite des autorités alors que la cérémonie dite Chautari battait son plein. On leur reproche d'avoir accueilli 175 invités, chiffre réfuté par les propriétaires. Ils affirment qu'il y avait seulement 45 personnes. Vous les entendrez dès le début de cette édition. Rebond de l'épidémie de la Covid-19, le pays a enregistré pas moins de 60 nouveaux cas rien que durant la soirée d'hier et 10 nouveaux cas aujourd'hui. La bonne nouvelle, la barre des 600 000 vaccinés est dépassée. Pendant ce temps, Maurice compte réceptionner une cargaison de 165 000 doses de Johnson & Johnson fin juillet. Des vaccins Pfizer qui seront administrés aux mineurs aussi attendus. Une annonce du ministre de la Santé, Kailash Jagatpal, au Parlement cet après-midi. Fait inhabituel à l'Assemblée nationale, une PNQ annulée 15 minutes seulement après avoir été posée. Xavier Luc Duval accuse Kailash Jagatpal de faire de la bouffonnerie. Comment organiser un mariage avec seulement 50 invités? Le casse-tête de bon nombre de Mauriciens qui convolent en juste noces en ce moment. Si certains parviennent à faire le bon calcul, d'autres préfèrent faire fi des règlements sanitaires et à réunir toute la famille ainsi que les proches. C'est le cas d'un retraité habitant Petite-Rivière qui a vu arriver chez lui pas moins de 175 convives à un mariage organisé chez lui. La police est aussi arrivée chez lui, jouant les troubles faits. Il a été verbalisé, puis prié de faire partir plus de la moitié des invités. Samedi, mariage, safran samedi. Dimanche, mariage, tout ne passe normal. Lundi, les tontons ne peuvent faire réception. Moi, j'ai une petite réception, environ 45 à 47 dimanches. La police est venue. Les gens qui ont la porte là-bas, il y en a beaucoup de monde là, et défouler un peu, dans 45 minutes, je vais revenir avec ça. Après 45 minutes, le policier est venu, il y a bien bon, tout correct. Ouais. Moi, j'ai dit, boss, est-ce qu'il ouvre pour moi une contravention? Il dit, non, j'ai un check là. Il est allé, deuxième coup, il est revenu, il a checké, tout correct. Troisième coup, il est venu, même le policier est venu, il dit, comme quoi, qui, si il y a un problème, il peut dérouler la route. D'écouter dans l'auto, mais tiens, c'est une machine là. J'y vais en policier là, nous faisons un tracement vite, nous faisons profiter à l'auto, tiens, l'auto jusqu'à mettre un seul côté. Et moi, je dis, est-ce que vous pouvez prendre une contravention encore? Je dis, moi, non, je n'ai aucune contravention. Ce qui m'a fait en prendre aujourd'hui, comme quoi, qui, dans le statement, qui, ça, disons, qui, sa contravention qui veut prendre là, le policier dit, tiens, il y a qui sont du monde, il veut prendre une contravention. Plus qu'il y a un autre problème encore, le policier là, il n'est pas fini de rentrer dans la tente, il n'est pas fini de compte aucun du monde, combien du monde est là, combien du monde paye là. L'une de vous de côte l'entre. L'une de vous de côte l'entre. Tout d'après procédure, avant de faire mariage, ou tu finis un formulaire. Moi, tu finis un formulaire de la police. Nous, on fait tout d'après la loi. Tous nous vont inviter qui est là, je tout est dans notre masse, sauf qu'il y a du monde qui peut manger, je vais tirer ma masse en bas de notre masse. Mais nous tu tous, tu es dans une distance, 16 mètres dans la distance, 1 mètre, nous faisons d'après la procédure que tu as besoin de faire. Moi, j'ai un problème cardiaque, là, je me fais penser qu'il me voit à l'hôpital à ce moment-là. Comment là? Ça peut faire chez vous. Ça peut stresser terrible, ça. Et c'est à ce problème-là qui est arrivé. Quand je vais prendre un comprimé dans la langue, je vais besoin prendre deux ou trois comprimés dans la langue pour me douleur cardiaque passer. Et nous faisons prendre bien mal parce qu'il fait un travail qui n'est pas arrivé comme ça, qui la police, les médias, puis comment dire, c'est dans où connaît dans Facebook, comment ban commettre qui passe, comment dire, ça toujours. Parce qu'il n'est pas facile vraiment de comprendre qui peut dérouler des hauts. Nous allons faire une bêtise pareille, mais la police, il est bizarre qu'on joue ce rôle. Si. Les médias, et ça, qui nous reste bien, et la police est rentrée, normal, ça
rentrer compter. Et dit, parce que tu es tout seul, tu viens à trois. Un débouté, dès que tu gagnes les temps, rentrer compter. Non, de l'avant, il faut comme ça. Si demain arrive, c'est la loi qui est pour nous comme ça. Pour prendre une contravention, si pas nous besoin de payer une lamane ou quoi. Là, nous vous guettons, nous parlons de l'avant. Là, c'est nous, avocats, qui pour décider, qui pour faire, parce que nous ne faisons pas même sa quantité du monde-là. Alors que le pays s'engage à faire vacciner sa population et ainsi atteindre l'immunité collective, le nombre de nouveaux cas positifs de la COVID-19 a bondi depuis la semaine dernière. Rien que pour la soirée d'hier, 60 nouveaux cas ont été enregistrés, dont 44 enregistrés au dortoir de Princess Chuna à Triolet. Alors que cet après-midi, 10 nouveaux cas ont été recensés. À ce jour, le pays compte 439 cas actifs. Et aujourd'hui, on apprend que l'entraîneuse de l'équipe de volleyball Trankbar Black Rangers a été testée positive à la COVID-19, après quoi une douzaine de volleyeuses ont été placées en quarantaine. Je suis partie à l'hôpital dimanche parce que j'avais la grippe. Et étant donné qu'ils m'ont déjà fini de faire mes deux vaccins, ils m'ont dit, OK, faire le test du PCR, c'est tout simplement pour mesure de précaution. Je me téléphone moi, mais je me dis, moi, positif. Bien sûr, c'était un petit peu la panique. Dans le coup de moi, même pour mes affaires, je me dis, moi, INT. C'est par rapport au contract tracing, je me dis, moi, qui m'a dit, moi, qui me joigne, je me dis, moi, pendant deux semaines. Comme l'équipe s'est entraînée mardi, ben, je me joigne, moi. Donc, je ne m'en pas connais quand moi, positif, mais de toutes les façons, on m'a dit que c'était un mild case, donc à cause de ça qu'il faut, c'est moi me dire, pas mesure de précaution encore une fois, mais là, on prend tout ce film et en quarantaine. Mon coin parti pour un résultat demain. Une cargaison de 165 600 doses de vaccins Johnson & Johnson attendue à Maurice fin juillet. La confirmation a été donnée par le ministre de la Santé, Kailash Jagatpal, au Parlement cet après-midi. C'est un don des États-Unis aux pays africains sous la COVAX Facility. Et lors d'un statement, le ministre de la Santé a aussi fait ressortir que Maurice réceptionnera également une cargaison de vaccins Pfizer prochainement à l'initiative de l'Union africaine. À ce jour, plus de 600 000 Mauriciens ont reçu au moins une première dose de vaccin anti-Covid. Une scène peu habituelle au Parlement ce mardi, un leader de l'opposition qui retire sa PNQ à peine entamée, c'est ce qu'a fait Xavier Luc Duval. Il s'est dit exaspéré par le monologue de Kailash Jagatpal à qui la question était adressée, PNQ axée sur la hausse des prix des médicaments. Selon le leader de l'opposition, le ministre de la Santé ne répondait pas à la question. Après deux points de droit soulevés, il a finalement retiré sa PNQ à regarder. Responsible. Total mockery by the minister is in fact the total. Just wait. Wait a minute. Please. I'm withdrawing the question. I have no control either. Et face à la presse cet après-midi, Xavier Luc Duval s'est dit exaspéré par l'attitude de Kailash Jagatpal. Le leader de l'opposition est revenu sur la raison pour laquelle il a retiré sa private notice question au bout de 15 minutes. L'objectif, selon le leader de l'opposition, était de contraindre le gouvernement à venir de l'avant avec des mesures en vue de soulager les patients car les médicaments ont augmenté d'environ 20 à 30% en un an. Vraiment, pas tu peux attendre moi. Ça, moi, tu peux attendre moi en guise avec un ministre responsable de la santé qui est venu, elle lui donne moi, qui lui fait comprendre, qui m'en rapport fin dire et qui lui peut prendre action. Et là, moi, tu peux, bien sûr, ajouter l'eau là. Mais pas du tout. Nous faisons un manque de respect total pour la population, pour l'Assemblée nationale et ce bande blablabla, il y a pas à lui-même. Donc, trois affaires immédiates, importation parallèle. Régressive markup system, comme WHO peut dire, et generic drugs. Et là, le generic drugs, WHO strongly recommends que le gouvernement promote generic drugs au lieu de. Et ça trois affaires là. Il dit pour faire une différence énorme dans le budget de Van Menaz, sans ouvrir de mettre subvention, sans ouvrir tout ça. Seulement, tout ce qui me dit où là, il est allé en l'encontre ban importateur. Il est allé en compte ban importateur, c'est pour bien en colère parce que je profite pour baisser substantiellement. Mais vous avez un côté de quel côté vous étiez.
est-ce qu'il ou intéresse prend pas importateur, gros importateur, milliards de roupies, ou bien consommateur. Au Parlement, toujours, le député travailliste Patrick Asserbaden a été expulsé pour disorderly conduct. À la reprise de la séance parlementaire cet après-midi, les députés rouges ont tenté de contester le ruling du speaker. S-Rouge des Fokir a répondu qu'il n'avait aucune obligation de justifier ses décisions. Il a alors suspendu la séance pendant une dizaine de minutes, car selon le président de la Chambre, Patrick Asserbaden mettait trop de temps à quitter l'hémicycle. Le député travailliste parle, lui, d'une décision injuste et révoltante. Écoutez. Mon fils expulsé par le speaker de façon injuste. Le ministre Ardoyal a une réponse au député Ousmane Mohamed pour une madame qui est suicidée. Le ministre Ardoyal dit que madame là, une gaye dépression. C'est madame là qui fait gaye dépression. C'est inacceptable que le ministre Ardoyal vienne cause la maladie d'une personne et vienne faire une affirmation pareille à la santé du monde qui est mort. Vous intervenir auprès du speaker pour que le ministre Ardoyal retire ses mots. Il n'est pas capable de dire une madame qui est suicidée. C'est une madame qui a une dépression. Il n'a pas le droit de le faire. Le speaker, pas ramène à l'ordre le ministre, pas demande le ministre withdraw sa word là, il expulse moi du Parlement. C'est injuste, c'est révoltant. 527,8 millions de roupies, montant récolté par le gouvernement à travers la taxe sur l'essence depuis novembre dernier à ce jour. Cette somme a été versée au fonds de solidarité Covid-19. Le gouvernement a introduit cette taxe l'année dernière. Elle était de 4 roupies et en novembre dernier, elle a été réduite à 1 roupie. Information qui est ressortie de la réponse du ministre Soudesh Kalichen à une interpellation du député Adil Amir Mia à l'Assemblée nationale. Le député MMM a aussi voulu savoir si le gouvernement comptait revoir la nouvelle taxe de 2,30 roupies introduite pour l'acquisition de vaccins. In order to reduce the burden on consumers, does he think that it's right to say that we have to remove the tax that has been imposed last year to finance the Solidarity Fund? Speaker, sir, this tax was a result of a policy decision of the government, and I cannot question same, so I'll leave it to the appreciation of the honourable member. Je vous retrouve après la pub. Communiqué de l'Autotech. Le jackpot du loto de ce mercredi est estimé à 26 millions de roupies. 26 millions de roupies dans votre compte en banque, c'est désormais possible. L'Autotech conseille au public de respecter les gestes barrières. Play safe. Zot, mais qui sont ça? Aïe, aïe, aïe! T'es pas capable, vous êtes salté l'eau, la rue. Dis-moi pour qu'on joue. Protège l'environnement. Dénonce, Samo Kamouad. Vous êtes saleté le terrain vague. De poupée, 3000 roupies la manne. Dimonico, vous êtes saleté dans le drain. Dimonico, vous êtes saleté dans la rivière. Dimonico, vous êtes saleté partout, partout. Dimon pour dénoncer. Vous êtes saleté le la place. Ou paye 5000 roupies la manne. Dimonico, vous êtes saleté commercial, industriel. La casse aux animaux. Ou bien débris construction dans la natie. De poupée, 25000 roupies la manne. Vous êtes saleté, dimon tiens ou photo. Dimonicozou, le WhatsApp, numéro 50 51 51. Dimonicozou, ensemble nous change nos comportements et nous protège nous l'environnement. Dimoni content où? La Natili content où? Aïe aïe aïe! Dimonicozou. C'est une campagne ministère l'environnement. We'll be right back.
Alors, on s'est bien laissé aller pendant le confinement ? Fini la pause. Spark Unicity rouvre ses portes. On se remet en forme. Spark, the number one sports destination of the West. Piscine, gym, tennis, basketball, football et plus encore. Entraînez-vous dans un cadre unique et premium avec nos coachs experts. Et après une activité intense, relaxez-vous au clubhouse. Rejoignez le centre sportif le plus complet de l'Ouest. Du 11 au 18 juillet, moins 30% sur le membership et l'adhésion est gratuite pour les nouveaux membres. Conditions applicables. Plus d'infos sur le 401-66-11. En ce moment, à des prix imbattables pour une qualité irréprochable chez Best Deal Motors, Honda Vezel, Honda Fit, Toyota Aqua, Toyota Allion, Toyota CHR, Toyota Premio, Nissan March, Nissan NV200, camions et autres marques de voitures. Best Deal Motors, Terre Rouge. Pour plus de renseignements, faites le 5 704 95 60 ou le 248 00 30. Now wherever you go, your business goes too. Do all your business banking on the Absa mobile banking app and grow your business on the go. Another digital solution that gets things done. That's Africanacity. That's Absa. Les manifestes électoraux de l'Alliance Les Peuples et de l'Alliance de l'Unité Modernité en 2014 produits en Cour suprême cet après-midi, de même que ceux de l'Alliance Mauricien et l'Alliance Nationale en 2019. Maître Ravinchetti devait attirer l'attention du pétitionnaire Souren Dayal. Cela concerne le fait qu'il n'a rien trouvé concernant la pension de vieillesse dans le manifeste de l'Alliance de l'Unité Modernité en 2014. Toutefois, l'avocat a confronté Souren Dayal au manifeste électoral de l'Alliance Nationale de 2019, notamment qu'il ait fait mention que la pension serait de 10 000 roupies. Maître Ravinchetti a aussi expliqué que la commission électorale, dans un communiqué sur les abus de la MBC, n'a pas mis en cause Pravin Jugnauth, ce à quoi Souren Dayal a répondu par l'affirmative et d'ajouter qu'il est connu de tous que Pravin Jugnauth est celui qui commande la MBC. La Salvage Team pouvait retirer le navire au moment de la marée haute, affirmation du sergent Jean-Marie Cazelin de la National Coast Guard. C'était ce mardi lors des travaux de la Court of Investigation sur le naufrage du MV Wakashio. Selon les données qu'il dit avoir obtenues de la météo, la marée était entre 35 à 40 cm. De ce fait, le MV Wakashio n'a pas heurté le récif, mais il est resté coincé sur le récif, a expliqué le sergent. Il devait ajouter que cela explique pourquoi il n'y avait aucune fissure sur la partie avant du navire. Jean-Marie Cazelin a indiqué que si la Salvage Team voulait stabiliser le navire, alors il fallait mettre du poids. L'autre personne qui a été déposée est l'ancien surintendant du département Port Emergency Services, Munabai Lakshman Chandraman. Ce dernier a également fait comprendre qu'il fallait prendre en considération la marée afin de pouvoir retirer le MV Wakashio. Selon lui, la Mauritius Ports Authority a failli dans sa tâche. C'est ici que prend fin cette édition. Merci d'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une excellente soirée.